Sur C8, samedi 23 septembre 2023, est diffusé Michel Sardou, Sa vie, son œuvre, un documentaire très intime sur le chanteur français. Si intime qu'on en apprend un sacré bout sur ses parents, eux aussi artistes et amoureux de la scène. Michel Sardou est le genre d'artiste à qui l'on dédie des documentaires entiers et détaillés, à l'instar de Céline Dion, Barbara, mais aussi Véronique Sanson ou encore Patrick Bruel. Ce samedi 23 septembre 2023, la chaîne C8 diffuse à 21h10 le documentaire Michel Sardou, Sa vie, son œuvre, dédié à ce qui a inspiré sa carrière, et à son enfance. Les experts et proches du chanteur se confient, livrent quelques anecdotes, notamment sur ses parents, Fernand et Jackie Sardou, qui sont à l'origine de certains de ses morceaux, mais qui ont surtout motivé sa vocation. Michel Sardou a été envoyé par ses parents dans un pensionnat privé dans le documentaire, on entend la voix de Michel Sardou dire, à propos de ses parents, ils étaient toujours absents. Ils avaient le métier qu'il avait, évoque-t-il. Comme lui, Fernand et Jackie Sardou travaillaient pour le monde de la scène. S'il est précisé que l'artiste a vécu une enfance joyeuse, il était souvent livré à lui-même. Très pris par leur carrière, les parents de Michel Sardou décident de l'envoyer au Moncel, un pensionnant luxueux et réputé pour son autorité dans les Yvelines, en Île-de-France. Ils avaient envie qu'il réussisse dans la vie, qu'il fasse les études les plus brillantes possibles, a commenté Bertrand Pénisson, auteur de Sardou, l'encyclopédie musicale, ayant participé au tournage du documentaire C8. Les parents de Michel Sardou étaient, eux aussi, sur scène, mais quel était donc le métier de Fernand et Jackie Sardou, qui leur prenait tellement de temps? Ils tenaient le cabaret chez Fernand à Montmartre. Chanteur et acteur à la fois, Fernand était un excellent comédien, comme on l'entend dans le documentaire, et Jackie était souvent à l'affiche de comédies à succès. Cette dernière est décrite comme une femme très drôle, et géniale. D'ailleurs, ses parents lui ont inspiré quelques-unes des chansons. Notamment « Je viens du Sud », étant donné que son père était originaire de Toulon, et « Une fille aux yeux clairs », en hommage à sa mère. Michel Sardou est donc ce qu'on appelle un enfant de Laval. Autrement dit, un enfant qui exerce le même métier que ses parents. Tu